Et en quel temps vivons-nous? Conversation avec Eric Fazan, Jacques François. Voilà. Et merci beaucoup. Mais pourquoi conversation? En fait, ça faisait longtemps que je tannais Rancière pour qu'il s'exprime sur l'époque. Et il me disait toujours, bon, j'ai pas trop envie, et puis je suis passé à autre chose, et puis bref. Et un jour, peut-être pour avoir la paix, il m'a dit, écoute, si tu me poses des questions, j'y répondrai. Alors, ça m'a pris un temps fou avant de me décider. Parce que poser des questions en entière, c'est pas évident quand on n'est pas philosophe, quand on. Voilà, je me dis, mais quel genre de. Ah non, non, pas philosophe du tout. Alors quelles questions, comment m'y prendre? J'avais même cherché des appuis à l'extérieur, à l'étranger. Bref, ça n'allait pas du tout. Puis un jour, voilà. Un jour, je me suis dit. J'ai tiré un fil de la pelote, voilà. J'ai posé la première question, qui n'était pas très intelligente, d'ailleurs vous la trouverez au début du livre. C'était pas la question la plus maligne, mais disons que ça a démarré à ce moment-là, et qu'ensuite, par écrit, nous avons posé des questions, et Jacques répondait. Ça s'est fait sur un rythme assez vif. On a dû commencer à l'été 2016 et finir dans les premiers jours de 2017. Voilà. Donc voilà comment ça s'est fait et pourquoi ça se présente sous la forme conversation est peut-être un mot, enfin, bref, c'est un mot gentil, mais c'est pas vraiment une conversation. C'est des questions que je pose auxquelles il répond. Et pour ne pas être redondant par rapport au contenu du livre, pour pas poser les mêmes questions et donc avoir des réponses probablement qui auraient été aussi les mêmes, nous avons demandé à Laurent Jean-Pierre. Qui a fait une excellente publication, un excellent livre d'entretien avec Rancière il y a 2-3 ans, hein? Cinq maintenant. Cinq? Cinq ans, le temps passe. Maintenant. Qui s'appelle La méthode de l'égalité et qui est un excellent livre. Donc, il était tout naturel de penser à lui pour animer avec nous cette soirée. Et donc, je lui passe la parole. Oui, merci Eric. Bon, alors évidemment, la difficulté là, c'est de pas faire une réplique de la conversation qui est dans le livre, hein, puisque déjà il faut que vous achetiez le livre, bien entendu. Et puis sinon, voilà, je pense que et Eric et Jacques Rancière s'ennuieraient. Donc, on va essayer d'éviter de répliquer la conversation, et puis on va pas faire non plus une conversation sur la conversation. Donc je vais dire d'un mot de quoi le livre est fait, et puis je pense qu'on va se concentrer sur un ensemble de questions que le titre indique plus ou moins, hein, en quel temps vivons-nous? Bon, ça implique effectivement de réfléchir un peu à comment on parle du présent, et je crois que c'est là-dessus qu'on va centrer notre discussion de ce soir, ce qui n'empêche pas évidemment d'autres questions, d'autres débats d'émerger dans la suite de la soirée. Alors le livre, donc, il est construit comme une conversation sur l'actualité politique, sociale, idéologique aussi. Il est beaucoup question au fond des manières de penser les événements politiques récents. Et il est aussi question un peu des obstacles qui nous empêchent de les penser. Et parmi ces obstacles, il y a donc un ensemble de problèmes qui sont liés à la manière dont on peut parler du présent. Hein. C'est un livre au fond sur ce qu'exige un diagnostic du présent. Une description, une analyse du présent, et c'est aussi un livre sur les manières dont on se réfère au présent quand on fait de la politique, quand on veut imaginer un autre futur, ou quand on a avec soi des images ou des imaginaires venus du passé. Alors je voudrais qu'on centre la discussion autour de ça, mais je pense qu'on retrouvera, hein, si ça vous inquiète, on retrouvera à l'actualité. Et donc, pour réfléchir à cette manière dont on fait un diagnostic sur le présent, il m'a semblé qu'il y avait deux lignes qui apparaissaient dans le livre. Enfin, il y en a beaucoup d'autres, mais il y en a deux en tout cas sur lesquelles je voudrais qu'on s'appesantisse un peu. Une première ligne qui peut paraître un peu abstraite, mais dont on va voir très vite qu'elle renvoie un peu au climat intellectuel de l'époque, qui est en gros, pour parler du présent, il faut avoir une idée de comment on le totalise, hein, comment on lui donne une image générale. Par-delà ces manifestations particulières ou effectivement par-delà l'ensemble des phénomènes qu'on peut observer, comment on synthétise le présent, hein. Alors, il se trouve que dans le livre, il y a,
Il y a plusieurs références à ces manières de synthétiser le présent. Et il y en a une par laquelle on pourrait commencer, qui est cette idée, au fond, que une manière dominante de synthétiser le présent aujourd'hui, c'est ce que Eric, d'ailleurs, dans une de ses questions, appelle la bouillie défaitiste. La bouillie défaitiste, c'est au fond une des manières principales dont on caractérise le présent. Alors j'aimerais que, peut-être pour commencer, Jacques Rancière revienne sur cette idée de bouillie défaitiste, la manière dont il la voit, et puis peut-être qu'Eric pourra d'ailleurs répondre, parce que je pense que, au fond, vous n'avez peut-être pas derrière cette expression qui correspond bien à un affect qu'on perçoit vaguement, hein, en lisant les journaux, par exemple. Et ben, peut-être que vous n'avez pas exactement la même chose, vous mettez pas exactement la même chose derrière. Donc peut-être que Jacques Rancière peut commencer avec cette idée de bouillie défaitiste. Bon, d'abord, je commencerai à dire donc que l'expression est d'Éric, hein, donc par conséquent, d'une certaine façon, je la revendique pas. Je revendique seulement la manière dont je réponds à la proposition. Voilà. Qui m'est faite par là, quoi. Alors bon, bouillie défaitiste, ça veut dire quoi finalement? Bon, ça veut dire, c'est une espèce d'atmosphère de déploration, on peut dire, à l'intérieur duquel même les événements que on pourrait dire positifs, ou les choses qui se passent, les choses qui bougent, se trouvent introduites, quoi. Bon, bouillie défaitiste, donc pour dans l'idée un petit peu telle que Eric la présente, c'est bon, mais alors on est dans une situation où on dit que rien ne sert à rien, que rien n'avance, et comme en général j'ai tendance à dire lorsque Eric explique ce qui se passera après la révolution, à dire qu'on n'en est pas encore là, quoi. Donc par conséquent, il faut un peu quelques médiations, quoi. Alors du coup, bien sûr, et il me dit, mais ça, c'est déprimant, tout ça, c'est déprimant, etc. Ça contribue à l'atmosphère défaitiste du présent, où on a l'impression effectivement que rien n'est plus possible, quoi. Alors bon, moi, j'essaye de déplacer les choses en disant la bouillie défaitiste. Bouillie, ça veut dire, il y a deux choses. On peut dire la défaite, quoi. Bon, la défaite, de fait, compte tenu de mon âge, j'ai quand même vécu une époque où on peut dire qu'il y a 60 ans, on avait l'impression que le monde il allait en avant, quoi. Ça bougeait partout, il y avait partout des mouvements d'indépendance, la décolonisation, la tonne des tempêtes, le développement du marxisme, le structuralo-marxisme. Voilà, il y avait une espèce d'effervescence, on peut dire, à la fois politique et philosophique, qui faisait que voilà, on était, tout d'un coup, il y avait comme une espèce de redépart un petit peu de l'espérance émancipatrice, telle que, on peut dire, qu'elle avait fonctionné à l'intérieur du marxisme, pris un peu globalement, à la fois comme bloc théorique, et puis un peu comme bloc historique, quoi. Bon, voilà. Alors bon, et par rapport à ça, on peut dire quand même que tout ce qui apparaissait comme effectivement promettre il y a 60 ans, bon, bah, c'est plus ou moins effondré. Qu'il y a eu d'autres moments aussi, on a l'impression que quelque chose qui promettait à nouveau. Bon, il y a eu 89, on s'est dit, bon, bah, l'effondrement de l'Empire soviétique, peut-être qu'un monde nouveau va naître, peut-être qu'il y a des gens à l'Est pour qui démocratie, ça a un sens un peu plus exigeant que chez nous, quoi. Et bah, peut-être qu'il va se passer quelque chose. Bon, apparemment, c'est pas ce qui s'est passé non plus, quoi. Il y a eu le printemps arabe, bien sûr, tout ce qui s'est noué autour de ça, et le sentiment aussi que quelque chose d'incroyable se passait, dans un endroit où on vous disait, oh, bon, là, c'est des gens sont résignés, etc. Bon, tout d'un coup, il y avait des l'effervescence qui partait, on se dit, à nouveau, peut-être, quelque chose qui bouge dans le monde. Bon, là encore, on peut dire que pour l'instant, la suite n'a pas été très gaie, quoi. Alors, bon, alors, il y a ce fait-là, bon, défaitisme, où je dis, bon, on n'est pas, pour moi, ce qui caractérise le moment, c'est pas tellement le défaitisme, c'est le fait qu'on hérite quand même d'une série de défaites, quoi. Premièrement, mais deuxièmement, bouillie, ça veut dire quoi? Ça veut dire la manière dont on va penser ça, quoi. Dont on va penser ça. Et bon, mon idée, c'est que d'une certaine façon, la bouillie, c'est quoi? Cette espèce de philosophie, un petit peu, je le dirais, quelque sorte, voilà, qui veut qu'on vive dans une espèce de monde défait, comme ça, un monde où tout c'est, où plus ou moins les grandes valeurs symboliques, les grandes formes collectives, tout ça a disparu, c'est dissous. Bon, il n'y a plus de, non seulement il n'y a plus d'usine, il n'y a plus de classe ouvrière. Hier, il n'y a plus de solidarité, enfin, on connaît un petit peu tous ces thèmes-là, la critique artiste a remplacé la critique vraiment sociale, solidaire et compagnie. Bon, on est dans un monde d'individualisme radical. Bon, alors bon, on sait que ce type d'analyse, ce qui m'apporte, c'est qu'au fond, il est partagé très très largement au-delà des clivages. C'est-à-dire, bon, en gros, pour moi, c'est à la fois la pensée de Finkielkraut et puis celle du comité invisible, quoi. À savoir, bon, bah voilà, à savoir, voilà, il y a une espèce comme ça de petite bourgeoisification générale du monde, ce qui fait que les gens pensent plus que leurs petits trucs narcissiques et tout, et voilà. Et bah, voilà. Alors bon, pour moi, c'est un peu. Et bon, ce que j'essaye de dire, c'est qu'au fond, peut-être, on est à un moment comme de retournement par rapport à
une tradition marxiste qui a été la tradition qu'on pourrait dire en quelque sorte progressiste, au sens où on avait l'idée que, y compris les défaites, y compris les mauvaises choses, finalement c'est toujours positif. Dans la tradition marxiste, les mauvaises choses c'est toujours positif. L'exploitation c'est horrible, mais ça forme une classe ouvrière qui demain ça va être du tonnerre de Dieu, quoi. Et puis finalement tous les obstacles en quelque sorte se retournent, et dans une espèce de mouvement de totalisation où malgré tout il y a une espèce de but dans lequel on arrivera à travers toutes les embûches, quoi. Faut se souvenir encore, dans ma jeunesse, il y avait quand même ces phrases de Mao Tse-Tung qui disait que la lutte des classes durerait encore quelques milliards d'années, quoi, mais qu'après ça, ça irait bien, quoi. Alors, il me semble que ce qu'on a ici, c'est une espèce, au fond, de retournement. C'est-à-dire que, au fond, cette espèce d'analyse toujours positive du genre, plus le capital se concentre, etc., et plus il développe l'ennemi, plus l'ennemi se renforce, on voit bien que ça ne fonctionne plus, quoi, que lorsque le capital n'est plus une force qui assemble les gens, mais une force qui les disperse, qui les envoie partout, qui envoie les usines au Cambodge, en Chine, partout où on sait, ou en Europe de l'Est, et que la logique en quelque sorte du capital fournissant les armes de sa destruction, ça fonctionne plus très très bien, quoi. Alors qu'est-ce qui reste à ce moment-là? C'est comme une espèce d'inversion de la logique, quoi. C'est-à-dire où on n'est plus dans une logique qui dit les choses s'accumulent pour faire le socle du monde nouveau au-delà de toutes les au-delà de tous les malheurs, quoi. Tout s'effondre, il y a plusieurs versions, effectivement. Il y a la version, la perte des idéaux républicains, etc., tout ce qu'on connaît, quoi. Et puis, il y a la version qui dit, plus ça va mal, plus ça va bien, quoi. Plus ça va mal, plus ça va bien. Et je crois que tout à fait clairement expliqué dans le dernier livre du Comité Invisible, quoi, qui dit, tout est fragmenté, quoi. Il y a un concept étonnant qui est le concept de ces fragmentations. Fragmentation. Le capital fragmente tout. C'est formidable parce que c'est fragmenté, une espèce de physique un peu, un type de physique un peu métaphorique, quoi, qui dit, si on fragmente, on arrive aux atomes, les atomes, quand on les met ensemble, ça fait quelque chose, quoi. Je pense qu'au fond, on est dans cette espèce de logique, en quelque sorte, où au fond, on a une analyse globale dominante, qui est une analyse en termes un peu de décadence, la civilisation arrive au bord de son effondrement, quoi. Ce qui fait, du même coup, la révolution prend la forme, du sursaut comme ça, on est au bord du gouffre, quoi. Comme chez Heidegger, quoi. Puis chez Heidegger, il y a le tournant, quoi. Alors tout d'un coup, s'il y a gouffre, c'est le tournant nécessaire, et puis on tourne, quoi. Et on tourne éventuellement, alors soit par différents appels, effectivement, à la mobilisation des énergies, soit par une espèce de type de physique, quoi, qui dira, tout d'un coup, on est devenu des électrons libres, alors pour moi, Bouguer les fétiches, ça renvoie à ça, au fond, cette espèce de forme d'inversion, comme si il y a une espèce de désorientation par rapport au temps qui fait que, comme on ne peut plus penser dans la logique progressiste de l'accumulation, qui fait que les bases du nouveau monde sont déjà construites par l'ancien, on fonctionne dans la logique inverse, mais qui est encore une logique de totalisation, quoi. Ce qui fait qu'en un sens, on peut dire que c'est la totalisation qui précisément nourrit le défaitisme. Eric, tu veux dire un mot sur cette bouillie? Je veux dire un mot sur la bouillie. L'idée de bouillie, elle partait d'un constat, c'est qu'au fond, aujourd'hui, on nous décrit la situation sous la forme d'un grand nuage noir qu'on considère comme une sorte d'entité générale, une entité globalisante qui comporte à la fois la pollution, les attentats, le chômage. Tout ça, c'est regroupé dans une grande bouillie défaitiste. C'était ça l'idée plus ou moins valide. Mais je voudrais rebondir par rapport à ce que tu viens de dire. J'ai relu le livre là pour la séance d'aujourd'hui et je suis tombé sur une... Plus fort. J'ai relu le livre pour aujourd'hui et je suis tombé sur un passage que j'avais oublié. J'ai pris ton verre. Et que j'aimerais que tu commentes et développes. J'ai oublié mes lunettes, mais bon. On redécouvre aujourd'hui que l'histoire de l'égalité est une histoire autonome. Qu'elle n'est pas le développement de stratégies fondées sur l'analyse des transformations objectives, mais qu'elle est une constellation de moments
une constellation de moments, quelques jours, quelques semaines, parfois quelques années, qui créent des dynamiques temporelles propres, douées de plus ou moins d'intensité de durée. À chaque fois, c'est un nouveau commencement, et à chaque fois, on ne sait pas jusqu'où il va. Et la prétention d'en tirer des leçons ne mène pas bien loin. Oh, il parle tout le temps, celui-là. Voilà. Est-ce que tu pourrais parler un peu de ces moments où l'égalité surgit? Et comment elle surgit et par quoi elle se manifeste? Et c'est une deuxième question, en fait. Nier la valeur des leçons de l'histoire, nier à l'histoire la capacité de nous donner des leçons, est-ce que ça n'est pas curieux chez quelqu'un comme toi qui a passé des années à travailler sur... l'histoire ouvrière française des années 1840, si ça servait à rien, alors est-ce qu'il n'aurait pas mieux valu boire ou enfin, se livrer à toute autre activité? Voilà, donc deux questions. Premièrement, ces moments d'égalité, comment qui surgissent, on ne sait pas trop bien comment, qu'est-ce qui signifie? Et deuxièmement, les leçons de l'histoire. Bon, alors, je dirais que il y a toutes sortes de choses utiles, il n'y a pas que les leçons qui sont utiles. Par conséquent, bon, disons, ce qu'on fait peut être tout à fait utile sans donner des leçons. C'est un premier point qui me paraît important, pourrait y revenir. Bon, j'ai écrit effectivement un assez gros livre à partir de mes recherches sur les archives ouvrières du 19e siècle. Bon, ça donne pas de leçons, quoi. Ça donne pas de leçons au sens où tu cherches à savoir comment tu vas organiser un parti prolétarien aujourd'hui, tu t'en tires pas un truc, quoi. Tu cherches à savoir comment tu vas, penser le présent. Non, c'est pour ça que j'ai dit ça donne pas des leçons au sens où on dit d'habitude, à savoir on analyse l'histoire, on voit ce qui marche, on voit ce qui a pas marché. Et puis bon, on fait dire que toi-même t'as fait un livre sur l'expérience des révolutions, quoi. Et en gros, tu analyses 1917, en même temps tu dis il a eu de la chance et puis point, quoi, finalement, quoi. Donc tu vois, malgré tout, d'une certaine façon, les leçons reviennent toujours à dire que finalement il y a un truc qui a marché. Bon, ça aurait pu très bien ne pas marcher, ça aurait même dû ne pas marcher, quoi. On pourra revenir là-dessus. Alors concrètement, ce que j'ai essayé de dire, quand même, c'est que s'il y a de la politique, s'il y a une tradition politique, s'il y a des traditions d'émancipation, effectivement, c'est pas lié à la lente accumulation comme ce qu'on nous décrivait dans le temps, à savoir il y a l'industrie, il y a le capital qui développe l'industrie développe des usines, les usines développent le prolétariat, le prolétariat développe conscience de classe développe la lutte de classe et ainsi de suite. Ça s'est jamais passé comme ça. Si je prends l'époque que j'ai étudiée, à savoir quand même surtout les années 30, les 1830-1840, qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'il y a ces trois journées de juillet 1830, finalement un truc qui en principe ne concerne que malgré tout une toute petite partie de la population, quoi, les journalistes, des lois contre la presse, on peut dire qu'est-ce que les prolos ont à faire des lois sur la presse, ça concerne un rapport de la bourgeoisie à la bourgeoisie, on n'a rien à faire, quoi. Bon, il se trouve que ces trois journées deviennent comme une espèce de mobilisation, tout d'un coup apparaît quelque chose sur la scène publique, quelque chose qui va s'appeler le peuple. Le peuple qui est plus justement le peuple des gens qui portent des têtes au bout de leur pique, qui est plus le peuple des gens accablés, etc., et malheureux, mais qui est une espèce de, disons, d'unité qui se connaît elle-même comme ayant le droit d'intervenir dans l'espace public, quoi. Bon, et puis, qu'est-ce qui se passe? Il y a ça, ça dure trois jours. Ça dure trois jours on retourne à un certain type de normalité, sauf que voilà, il y a tout d'un coup la conscience d'une espèce de puissance commune qui est de puissance d'intervenir sur la scène publique pour des gens qui en principe n'étaient que des individus privés, quoi. C'est-à-dire, faut se rappeler un peu les situations de l'époque, à savoir, il y avait le code Napoléon, ça dit, le rapport entre l'employeur et l'employé, c'est un truc purement privé, ils font un contrat, et en plus, de toute façon, s'il y a une contestation, c'est le patron qui est cru sur sa parole, point.
Donc voilà, bon, et puis tout d'un coup, bon, bah, de ce qui s'est passé sur cette scène-là, bon, bah, il y a toute une série de, disons, de mouvements ouvriers qui se constituent sur la base que, après tout, là, le travail, c'est une affaire publique. Le travail, c'est une affaire publique. Que le travail devienne une affaire publique, ce n'est pas la conséquence du développement de l'industrie à ce moment-là. C'est vraiment la conséquence de 1830, à savoir qu'on est des acteurs de la scène publique et par conséquent, le travail lui-même peut devenir quelque chose de public. C'est le moment où on passe de ce qui s'appelait avant les coalitions, à savoir bon, un rapport de force, quoi. Bon, les ouvriers ne sont pas contents, ils s'en vont ailleurs, et puis voilà, puis les patrons restent comme ça. À quelque chose qui est nouveau, quoi, à savoir, non, bon, finalement, on a des raisons de se battre, on a des raisons de ne pas vouloir ce que données, de vouloir autre chose, on les expose, on fait toute une espèce de dramaturgie, on constitue bon, une scène propre, il se crée cette espèce de scène qui nous paraît naturelle, bon, bah, la grève ouvrière, bon, ça ouvre un cycle sur lequel on sait que d'autres choses vont se greffer, bon, l'idée de la grève pas simplement comme une affaire entre patrons et ouvriers, mais une affaire générale, bon, que, au fond, la société entière peut être en grève, bon, c'est des choses qu'on a encore connues. Il n'y a pas si longtemps, à peine 50 ans. Quoi. Bon, voilà. Donc, voilà, bon, et je crois qu'on pourrait faire la même démonstration pour un tas d'autres moments. C'est-à-dire qu'il y a, à savoir qu'il y a vraiment bon, bah, des moments, ça peut être des moments révolutionnaires, 1830, 1848, ça peut être comme ça des espèces de moments d'explosion, 68, certains, donc la place Tahrir, bon, disons la révolution de Jasmin, d'autres mouvements, bon, comme disons ce qui s'est passé à Gezi Park à Istanbul, ce qui s'est passé place Syntagma à Athènes, voilà, qui crée véritablement bon, des espèces de dynamiques propres. Et mon idée, c'est que s'il y a quand même une politique de l'émancipation, ça a toujours été lié à ces dynamiques propres. Quoi. Et bon, moi, ce que j'ai un petit peu étudié, c'est quand même, oui, l'effet, qu'est-ce qui se passe? Il y a des gens qui ont vu le soleil à un moment donné, puis bon, voilà, ils font quelque chose de ce soleil. Quoi. Voilà, ils créent leur propre, ils ont un petit peu leurs propres illuminations à partir de ce soleil qu'ils ont vu tout d'un coup pendant trois jours. Et bon, alors je crois que c'est quelque chose pour moi qui est fondamental. Et bon, bien sûr, je l'ai rappelé à propos du moment, bon, loi travail, nuit debout. Bon, pas parce que je pense qu'il est quand même un peu de temps, même plus de réfuter les vieilles histoires sur le spontané et puis l'organisé, mais de dire même que il n'y a même pas à le réfuter, quoi, que ça ne veut rien dire, quoi, concrètement, quoi, que, et qu'effectivement, il y a, vous savez, qu'il y a une espèce de dissymétrie fondamentale. On est dans un monde qui se reproduit, et puis il y a des moments qui interrompent ce monde et qui créent des brèches, qui créent des autres temporalités. Alors bon, moi, qu'est-ce que j'ai fait? Bon, tu dis, bon, mais si on ne tire pas de leçon, pourquoi tu as fait ça? Je dirais, je fais ça parce que ça m'intéressait, quoi. Premièrement, et que ça me paraît suffisant comme raison, et qu'effectivement, ça me semblait raisonner dans le présent, mais raisonner dans le présent, pas du tout sur le mode, ah bah, ils ont fait comme ça, ils ont ça c'est bien, ça c'est pas bien, il faut s'inspirer de ce qu'ils ont fait, mais il faut le faire autrement. Non, mais véritablement, bon, il y a en quelque sorte comme des espèces de dynamique, comme ça, de création, de temporalité, d'espace, de réflexion, de vie. Et voilà, et bon, si quelque chose se passe qui bouleverse un petit peu l'ordre normal des choses, c'est effectivement lié à ça. Et par conséquent, moi, ce que j'ai effectivement, c'est essayer de mettre des moments du passé dans le présent, et de les mettre justement sans expliquer leur lien avec le présent, sans dire, voilà, ça nous montre ce qu'il faut faire ou pas faire dans le présent, mais voilà, dire comme ça, bon, bah, c'est dans notre présent, et voilà, on se construit un temps où cette chose-là, qui n'a pas vraiment de rapport direct avec nous, bah, bon, elle est présente, quoi. Oui, Eric a anticipé un peu une question que je voulais poser aussi, puisque... Pardon, c'est très bien. Très bien, mais j'avais pas fini sur les affaires de comment on synthétise le présent, mais effectivement, je voulais qu'on aborde après, voilà, ce nouage passé-présent dont on vient de parler, et puis le nouage présent-futur dont on parlera dans un instant, mais qui a déjà été évoqué, au fond, dans la réponse de Jacques Rancière concernant un peu, voilà, la bouillie des fétistes, le catastrophisme, qui est au fond une manière d'envisager aussi comment le présent est relié au futur. Mais il y a une autre manière que celle du catastrophisme qui est dominant, ou qui serait dominant, y compris dans la critique sociale. Il y a aussi, effectivement, bon, bah, la vieille science marxiste, quoi. Alors, vous évoquez ça à un moment, hein, à un moment que je voudrais aussi... comme Eric mentionnait, voilà, hein, et qu'on discute, hein, voilà, page 37, les commentaires marxistes rigoureux qui chaque jour sur les réseaux sociaux nous enseignent à voir dans toute situation l'effet de la domination mondiale du capital
donne réponse à tout, mais cette réponse à tout ne construit plus aucun espace de concordance entre perception, pensée, affect et action. Donc on voit bien qu'on a effectivement une manière de totaliser, mais qui au fond n'a plus lien, n'a plus aucun lien avec, avec une quelconque pratique, et peut-être même est un facteur d'impuissantisation. Oui, alors, non, parce que, bon, alors souvent, vous êtes comme moi, abonné à différents types de réseaux sociaux, ça peut être Facebook, ça peut être Twitter, etc., sur lesquels il y a quand même toujours quelques copains, bon, marxistes, quoi. Enfin, bon, voilà, des, enfin, marxistes, je veux dire que, enfin, bon... Non, c'est pas une critique, quoi. Mais en tout cas, des gens qui tiennent, on peut dire en quelque sorte ferme, qui tiennent ferme sur le marxisme comme puissance explicatrice, quoi. Avec l'idée que ça doit expliquer tout ce qui se passe, quoi. Et bon, alors, effectivement, bon, tous les jours, on voit ça. C'est-à-dire qu'on voit, on apprend les dessous, on apprend que de tel événement, mais en réalité, derrière tel événement, bon, il faut pas se faire d'illusions, que c'est toujours la domination mondiale qui agit, c'est toujours le capital et tout. Par conséquent, voilà. Ce que je dis simplement, c'est que, bon, pour moi, j'ai toujours pensé, si on veut, qu'il y avait toute une espèce de discours de la science qui était un discours de l'impuissance. Bon, je l'ai déjà dit à une certaine époque, quoi, à savoir le discours de la science qui consiste à dire qu'il faut d'abord que si on est à croire que si on explique les choses aux gens, d'un coup ça va les animer parce que comme ils étaient bêtes, ils comprenaient pas, mais si on les explique, ils vont comprendre, et s'ils vont comprendre, ils vont un peu se réveiller, quoi. Bon, ce truc là de toute façon n'a jamais vraiment marché, quoi, n'a jamais vraiment marché que dans la tête effectivement des explicateurs, quoi. Mais ou alors ça marchait parce que effectivement les gens se bougeaient par eux-mêmes, et de toute façon, le fait que les explicateurs pouvaient dire, vous voyez bien, ça marche puisqu'ils se bougent. Mais fondamentalement, je crois qu'on est dans une situation où on voit bien que ça fonctionne plus. C'est-à-dire qu'à la fois, on a des gens qui continuent, qui continueront jusqu'à des milliards d'années. À faire ce type d'explication, ça construit plus rien parce que disons ça résonne dans le vide comme pure autosatisfaction, autocertitude de la personne, voilà, qui peut tout expliquer, quoi. Effectivement, maintenant, on explique tout, et ça participe au régime dominant, au consensus, parce que c'est quoi le consensus? C'est le fait que tout est expliqué continuellement, quoi. Alors bon, il y a des explications officielles, les explications officielles, là, où, chez Pujadas, quoi, avec les spécialistes qu'on fait venir, quoi, et puis il y a les explications non officielles, effectivement, par des gens purs et durs, quoi. Mais fondamentalement, ça participe de la même chose, quoi, je crois, fondamentalement. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que voilà, c'est privé en quelque sorte d'une puissance d'action. Ça fait toujours comme s'il y avait derrière le grand mouvement ouvrier qui était prêt à prendre ses paroles et puis à les traduire en actes massivement entre la République et la nation. Mais bon, disons effectivement, je pense qu'effectivement c'est un facteur d'impuissance redoublée, quoi. Ce qui me frappe, c'est qu'effectivement c'est une puissance, une espèce de puissance explicatrice intacte. Sans puissance d'action qui y corresponde, ça crée quoi? Ça crée cette espèce d'idéologie du ressentiment, qui est quelque chose qui domine massivement notre présent, quoi. Alors voilà, encore, on revient un petit peu... À la bouillie. On revient un peu... Oui, enfin, à la bouillie. La bouillie peut être ordonnée, expliquée, surexpliquée. Simplement, effectivement... d'une certaine façon, ça ne sert à rien. Et on voit bien quand même que la plupart des choses qui se sont passées pendant les 10 dernières années sont parties d'ailleurs, ne sont pas parties du fait que les gens tout d'un coup ont compris un petit peu quel était le lien entre leur situation et puis l'état global du monde, mais qu'ils ont dit là où ils étaient, on ne veut pas que ça continue comme ça, et puis point, quoi. Et à partir de quoi ils se sont organisés, de toutes sortes de manières, selon des pensées plus ou moins rigoureuses, mais c'est quand même très très frappant. C'est-à-dire que si on voit ce qui s'est passé depuis 10 ans, malgré tout, ce qui a fait un peu tourner la tête des gens, quoi, quelquefois de manière un peu, pas très claire, quoi, c'est quand même d'autres choses, quoi. C'est des traditions anarchistes, c'est des traditions du type désobéissance civile, c'est des espèces de renouveau, comme ça, de foi dans la démocratie. C'est toutes sortes de choses comme ça. C'est éventuellement, l'écologie, mais voilà, c'est quand même autour de ça que, ou bien c'est tel ou tel type de lutte très spécifiée, et c'est autour de ça que les gens ont bougé. Donc effectivement, il y a une espèce de divorce entre les explications, on peut dire, globalistes, et puis les déterminations qui font que les gens ont bougé, et aussi, et au fond, le type de euh, voilà le,
le type d'espace que les gens ont créé en bougeant. Oui, donc on a évacué la science marxiste, explication générale et totale qui perdure. On a évacué le catastrophisme. Et donc, est-ce qu'on doit aussi évacuer toute perspective même de synthétiser le présent, c'est-à-dire l'idée de lui donner une image totale? Est-ce qu'il faut finalement laisser tomber cette analyse du temps dans lequel nous vivons cet objectif même de totaliser? Bah, je pense que de toute façon, la totalisation, il s'en fait toujours et il s'en fait toujours et partout. C'est-à-dire que tout mouvement dit local, produit sa forme de totalisation, quoi. Démocratie réelle maintenant, c'est une forme de totalisation, qui comporte toute une série par ailleurs de problèmes internes, c'est une forme de totalisation. Occupy Everything, qui est un mot d'ordre un peu extraordinaire, c'est aussi une totalisation. Everything, c'est bien total, quoi. Et voilà, je crois qu'il y a toutes sortes, ne vivons plus comme des esclaves, c'est aussi une forme de totalisation. C'est-à-dire qu'on décrète un moment où tout d'un coup, il y a comme une espèce d'intelligence générale, mais intelligence générale, de ce qui se passe, intelligence incorporée à une situation, à un mode d'être, à un mode d'action, et qui est différente d'une explication globale de tous les rapports à l'échelle du monde. De toute façon, l'explication globale, d'une certaine façon, ça n'a jamais pu fonder aucune action, parce que si on veut tout expliquer, on ne fait plus rien, c'est parfaitement clair, quoi. C'est déjà Büchner qui expliquait ça en 1833, quoi. Si vous êtes vraiment scientifique, si vous décomposez tout fibre à fibre, on ne fait plus rien. Pour faire quelque chose, il faut découper, il faut dire c'est ça qui est important, c'est ça qui définit le moment. Donc je veux dire, toute analyse en quelque sorte d'un moment a presque toujours été une analyse partielle. Sans ça, on tombe dans des trucs. Évidemment, je suis de ma génération, mais je suis quand même une génération, évidemment que vous, pratiquement personne ici a connu ça, où il y avait toutes les histoires il fallait faire une analyse de classe pour savoir quelle fraction de classe, quelle sous-fraction de classe pouvait être une alliée ou pas du prolétariat. Enfin, ça existait encore dans les années 70. Hein. Voilà. Je ne sais pas si ça existe encore. Je suis sociologue. Tout existe. Il faut se souvenir un petit peu de ça quand même. Que de toute façon, ça n'a jamais fonctionné comme ça. Bourgeois et prolétaires ont fonctionné comme des concepts de lutte des classes, ça n'a pas fonctionné sur la base d'une analyse économique, sociologique, globale, de ce que ça pouvait signifier, et de toutes les fractions intérieures, intermédiaires. Ça fonctionnait à coup de fusil. Pas seulement à coup de fusil, parce que il faut encore que des gens aient envie de tirer les coups de fusil, quoi. Évidemment, quand on a le pouvoir et qu'on commande au fusil, c'est autre chose, mais autrement... On passe la parole ? D'accord. Je dirais oui. Oui. Non ? Oui. J'avais peut-être un... Il a quelque chose à dire, c'est toujours intéressant ce qu'il a à dire. Non, c'est pas ça, mais je ne sais pas combien de temps on va rester ici. De toute façon, il fait trop chaud, donc on ne va pas rester des heures. Je vais à l'essentiel. Je pense qu'il y a ce problème du diagnostic du présent, il y a ce problème du lien au passé, tu l'as évoqué, ouais. Et puis il y a le problème effectivement du nouage présent-futur. Et dans le livre, alors, il y a toute une ligne autour il y a toute une ligne autour, une réflexion autour de la notion de stratégie. La notion de stratégie en tant que... c'est une notion qui, justement, permet de nouer le présent et le futur dans l'action, dans l'action politique en particulier, bien sûr. Et donc, il y a plusieurs remarques à ce sujet sur qu'est-ce que c'est que une vision stratégique de l'action. Je voudrais juste en citer deux, et puis je vous promets, après, en tout cas, en ce qui me concerne, j'arrêterai. À un moment, page 31, voilà ce qui est écrit. C'est l'ensemble de la vision stratégique. Je passe le développement antérieur, mais il a à voir en partie avec justement une critique de l'idée que
bon, qu'il faut voilà, du schème de la prise de pouvoir comme disons schème stratégique principal, schème stratégique historique principal qui a dominé notamment le marxisme. Alors, c'est l'ensemble de la vision stratégique du rapport entre les fins et les moyens qui est devenu une scolastique vide. Ça, c'est un premier élément. Et puis plus loin, il y a page 60, hein, un approfondissement autour de la question. Voilà, bon, la stratégie, au fond, il y a deux manières de concevoir la stratégie. Hein, il y a deux manières de concevoir la stratégie, de la manière de l'adaptation des moyens aux fins, hein, dont on vient de parler. Et puis, je retrouve ma phrase, j'espère que je vais la retrouver. Hein, voilà, et puis une deuxième manière, en gros, qui est l'agrégation des forces. Hein, l'agrégation des forces, je ne retrouve pas la phrase, mais ce n'est pas grave. Cela impose effectivement de repenser la notion de stratégie. Jusqu'ici, elle a été dominée par deux modèles, le modèle de l'adaptation, c'est-à-dire de la subordination des moyens aux fins, et le modèle de l'alliance, c'est-à-dire de l'agrégation des forces. Voilà. Et puis plus loin encore, hein, il est question de finalement repenser la stratégie. Hein, les mouvements récents me semblent invités à penser quelque chose de différent sous la notion de stratégie. Voilà. Celle-ci devient la puissance d'expansion propre d'un mouvement ou d'une forme. Donc le livre oscille en fait entre conserver ou ne pas conserver cette idée de stratégie. Hein. Je vais plus loin. Eric est un peu circonspect parfois, puisque dans une des questions qu'il vous adresse, il dit la chose suivante. Il dit finalement, Jacques Rancière, est-ce que vous n'êtes pas un peu quiétiste, hein, à pas vouloir parler de stratégie, hein. Voilà, bon, je résume. Bon, alors stratégie, je veux dire qu'il n'y a quand même pas beaucoup de monde, qui parle de stratégie. C'est ça qui me trouve le plus intéressant, c'est que précisément, bon, il y a des gens qui expliquent tout, mais ces gens qui expliquent tout, ils définissent aucune stratégie, finalement, justement, ils définissent aucune forme d'incorporation de ce savoir, quoi. Bon, il y a des gens qui font la stratégie, au nom de, effectivement, sous la forme de, il faut faire un mouvement puissant, si on veut faire un mouvement puissant, il faut mettre des gens ensemble. Ça donne un peu, effectivement, les choses du style, Chantal Mouffe, à savoir, effectivement, il y a des chaînes d'équivalence, il y a des gens qui se mobilisent pour ceci, pour ceci, pour cela, et puis on va créer des chaînes d'équivalence, et puis il y a effectivement une espèce d'incarnation, en quelque sorte, du peuple qu'on constitue comme ça, qui va être un petit peu la figure qui tire en avant, c'est le modèle Syriza, c'est le modèle Podemos, c'est le modèle Mélenchon, quoi. Ça pour dire, ces gens-là font de la stratégie, quoi. Ces gens-là font de la stratégie, sauf que ce sont toujours des stratégies extraordinairement ambiguës, parce que c'est des stratégies qui sont qui se tiennent dans une espèce d'un futur complètement équivoque entre on prépare la révolution mondiale et puis on prépare disons la prise de pouvoir avec un autre parti de gauche ou bien tout seul quoi. On est quand même là-dedans quoi, si on pense à ce qu'on a vu au moment des élections, un type qui se présente en disant voilà mon programme pour 5 ans, mais attention, si je suis élu, je vais convoquer une constituante, parce que c'est quand mon programme pour 5 ans, ça sert à quoi? Ça sert à rien du tout, là, pour le coup. Donc, on est quand même dans cette logique-là. C'est-à-dire où on décrète une rupture, et à ce moment-là, le seul programme, c'est la rupture. Où on dit, voilà ce que je vais faire pour les travailleurs, pour les retraités, pour les agriculteurs, et à ce moment-là, c'est complètement autre chose. Et on s'installe dans la durée, on dit, voilà. Simplement pour dire, voilà, en gros, les gens qui font la stratégie aujourd'hui, c'est ces gens-là, quoi. Autrement, les autres gens, ils font pas de stratégie, quoi. Lorsque je parle d'accroissement de la puissance, sur ce point, on peut dire que je dis pas grand-chose de différent du comité invisible, quoi. À savoir, la stratégie, c'est le développement de la puissance propre. Alors moi, ce que j'essaye de dire, c'est que peut-être si on peut penser aujourd'hui sous forme de développement de la puissance propre, justement, c'est quelque chose qui est plus du mode alliance entre telle et telle force, entre les féministes, les écologistes, les trans, les antispécistes ou que sais-je, quoi. Mais on essaye de mettre ensemble, en quelque sorte, des formes d'action, quoi. Non, je pense, pour moi, une chose qui était quand même intéressante de ce point de vue-là, parmi les choses intéressantes des dernières années, c'est quand même ce concept qui a tout quand même été assez fort dans le mouvement grec, quoi, de l'espace social libre. Espace social libre, quoi, à savoir, justement, des espaces, en quelque sorte, qui, au fond, ont à la fois, on peut dire, des objectifs déterminés, espace social libre, éventuellement, on donne des soins aux gens qui peuvent plus payer un médecin,
éventuellement on donne des abris ou des protections, disons aux réfugiés, on crée des formes d'information parallèle, des formes d'éducation, etc. Mais en même temps, je dirais que on inclut ça justement dans l'espèce, comme disait, de fond d'organisation d'une forme de vie. Vous avez ça dans le film justement là de Yuluntas, quoi, ne vivons plus comme des esclaves. Il y a finalement ces types qui dirigent ces espaces sociaux libres, mais qui dit on n'est pas là pour donner à manger aux gens, à manger, etc. On est là pour manger avec eux, quoi, pour dire très vite, quoi, pour manger avec eux, pour constituer avec eux quelque chose comme une structure dans laquelle on discute ensemble, quoi. Ce qui est assez intéressant justement, c'est dans ces cas-là c'est le fond le rôle qui donne à cette espèce de démocratie d'assemblée qui souvent a été effectivement une chose uniquement un peu de perte dans simplement la libre parole ailleurs, quoi. Ils reprennent un petit peu très souvent ces espèces de pensées, pour moi toujours un peu compliquées, du consensus, quoi. C'est vrai, il faut qu'on se mette tous d'accord, quoi. Sauf que se mettre tous d'accord là va se définir en termes de se mettre tous d'accord au sein de, d'une tâche déterminée qui est liée finalement à une pratique déterminée d'un de ces espaces sociaux libres, et pas simplement tout le monde d'accord au sens ce qui est bien, c'est qu'on soit tous ensemble et tous copains, quoi. Je pense qu'on peut penser stratégie comme ça, à savoir vont mettre ensemble par exemple des espaces sociaux libres qui de diverses manières vont concerner un certain nombre, des choses qui se passent dans la société, éventuellement se regrouper, constituer quelque chose comme des assemblées transversales. Bon, on peut penser aussi ça en termes d'union entre les actions. Bon, c'est le truc que j'avais dit un peu à l'époque, bien sûr, qui s'est pas fait. C'est pas moi qui avait la capacité de le faire. Je disais, plutôt que de dire, au moment de Nuit debout, on votera plus jamais socialiste. Ce qui aurait été plus intéressant éventuellement, c'était de mobiliser les forces de Nuit debout pour vraiment une action de masse contre l'institution même de la présidence, quoi. Plutôt que d'aller casser des vitrines, d'aller casser des bureaux de vote de la grande primaire. Voilà, ça aurait été quelque chose, quoi. Pour le coup, il y aurait une provocation à la démocratie qui, à mon avis, aurait été plus intéressante et plus forte, quoi. Mais ça c'est mon côté un peu, disons, anarchiste pour les autres, quoi, ou casseur pour les autres, bon. Voilà, mais en tout cas, à mon avis, je pense que si on pense stratégie, mais c'est pas mon terme, j'y réponds à ma manière, mais effectivement, ça veut dire que quelque chose, bon, trouver les moyens effectivement d'un accroissement de puissance, bon, en conjuguant effectivement non pas des groupes, des identités, mais des formes d'action, quoi.